Donc, merci d'avoir bravé la neige pour venir nous voir. Évidemment, on n'est pas si. Je pensais qu'on serait beaucoup plus clairsemé. On avait 60 personnes qui avaient donné leur accord. Certains, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui a dit qu'ils arrivaient, donc ils vont peut-être arriver un petit peu en route. Comme de tradition, d'abord je vous remercie, et comme de tradition, je vous donne un peu de nouvelles de la Fondation, donc de ce qui se passait d'une part en 2017, et nos projets 2018 qui vont être débattus la semaine prochaine en conseil d'administration et en comité scientifique. Donc 2017 s'est passé principalement toujours sur nos trois projets que vous retrouvez sur le site de la Fondation. Le projet de ce qu'on a appelé la ville de tous les âges, qui se consacre principalement aux problèmes des personnes dites âgées, mais qui vont représenter très bientôt le tiers de la population française, et qui notre préoccupation est leur intégration dans la ville. Et nous avons fait un colloque en novembre dernier à l'école d'architecture de Nantes, sous la présidence de Gilles Béru, et de, bien sûr avec la participation de l'école d'architecture de Nantes, qui a été très, très, très productif. Et après, le petit ouvrage que nous avons édité il y a deux ou trois ans, qui s'appelle « Le grand âge, une vie à construire », nous allons éditer un nouvel ouvrage qui sera la suite de cet ouvrage-là et qui ira en librairie, sur la base du travail qui a été fait dans le colloque et d'une équipe de travail qui se met en route dès le mois de mars. Voilà, sous la direction de Gilles Béru, toujours, qui est le président du Gérontopole Pays de Loire. Deuxième sujet, c'est l'hôpital de demain que nous menons donc avec Louis Omnes, qui est là, donc ancien directeur d'hôpital de l'hôpital Pompidou, et qui l'a surtout fait construire, qui a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Concevoir et construire un hôpital numérique », et avec Jérôme Bataille, qui pilote cette filière. Nous avons aussi l'objectif en 2018 de faire un colloque fin 2018 sur le sujet, qui alimentera également un ouvrage qui est déjà plus ou moins en cours d'élaboration, qui devrait sortir dans l'année 2018, j'espère, non, dans l'année 2019. J'espère à la fin de mon mandat, qui s'arrête en octobre 2019. Troisième sujet que vous connaissez aussi, puisqu'il a fait l'objet d'un ouvrage, c'est « Bien vivre la ville », un ouvrage qui est en cours d'épuisement, puisqu'il a été une troisième vente de livres d'architecture et d'urbanisme à la FNAC. Et il nous reste quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse. Et donc, nous avons passé l'année 2017 en Chine, avec nos amis chinois, parce que j'ai eu l'occasion, fin 2016, de présenter cet ouvrage à un colloque en Chine. Et il y a eu le directeur d'un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche pour le du futur, de Pékin, qui est tombé en arrêt devant ce travail, parce qu'il menait lui-même un travail un peu similaire. Et donc, il voulait absolument traduire. D'ailleurs, il a traduit le livre, mais de manière assez maladroite. Pour les Chinois qui l'ont lu, ils ont dit que c'est pas très bien traduit, tout ça. Donc, je lui ai proposé une collaboration culturelle. Et nous avons mis en place cinq échanges, et dont trois déplacements ensemble de travail. Et nous avons proposé une version stylisée et augmentée de ce livre, stylisée sur la partie approche de la santé et de la ville. C'est la première partie du livre qui est révélée, donc qui est doublée par cette vision orientale, comparaison entre l'Orient et l'Occident sur sa vision de la santé, qui est fort intéressante. Et sur la dernière partie qui est démontrée, nous avons participé en tant que consultant sur un projet de ville nouvelle, enfin de quartier nouveau, mais pour nous serait une ville nouvelle de 80 000 habitants, mais c'est un quartier de la ville de Changsha qui fait 14 millions d'habitants. Et donc, sur ce projet-là, fait par une agence franco-chinoise, nous avons amené notre savoir-faire sur ce qu'on appelle les dispositifs urbains qu'on pouvait apporter pour favoriser la santé dans cette ville. Et ce résultat de ce travail arrive aussi en fin de livre, pour montrer, et puis nous avons
nous avons agrémenté le livre d'exemples plus chinois pour s'intéresser aux Chinois. On a remis le manuscrit ce matin à l'éditeur, donc il va être édité au mois d'avril et présenté à Paris Healthcare New Week qui est fin mai à Paris, avec nos chers amis chinois qui, eux, parallèlement, vont éditer le livre en chinois, donc en Chine. Nous, on le fait en 5000 exemplaires, eux en 300 000. Bon, c'est pas la même échelle. 300 000 étant le minimum là-bas et le maximum en France, puisque le prix Nobel ou un grand prix littéraire ne dépasse jamais les 300 000 exemplaires en France. On a bien, donc ça nous a permis de voir aussi cette différence d'échelle et d'être très 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 agréablement surpris, voire impressionné par le niveau intellectuel et efficace de nos amis chinois. Je ne sais pas si on est tombé dans un institut de recherche particulier, mais en tout cas, les chercheurs qui l'ont mis à notre disposition, quatre, ils appellent ça des experts, nous sommes aussi pour eux des experts, étaient de très haut niveau, et on a été accueillis de manière vraiment magnifique, ils ont été une gentillesse à toute épreuve. Donc, vraiment un exemple, surtout, j'ai passé une année magnifique dans cette collaboration, et j'espère que le résultat de ce livre-là, donc ce nouveau livre, montrera ce plaisir qu'on a eu à travailler dans cette ambiance-là. Et je crois que, enfin, j'ai fait les relectures dernièrement, c'est vraiment très, très, très sympa ce qui a été fait par tout le monde. Et puis ça nous apprend beaucoup sur ce sujet. Et justement, économie circulaire, économie linéaire, eux, ils sont restés très longtemps dans l'économie circulaire et dans le système circulaire qui vous savez, bon, a été cassé au début du XXe siècle par ce qu'on pourrait dire l'économie linéaire, ce qu'on appelait la flèche du temps. C'est-à-dire, bon, tout d'un coup, on est passé d'un monde circulaire à un monde linéaire. C'est la modernité, le progrès, qui nous amène où on est aujourd'hui. Et peut-être à nous poser les questions de savoir s'il ne faut pas essayer de continuer à se développer, mais tout en se recyclant. Et ça, vous allez nous parler de ça brièvement, je pense. Voilà. Le projet 2018, je vous en parle peu, mais il y a des projets de ligne. Je vous avais parlé des deux, sur la partie hôpital de demain et la partie ville de tous les âges, mais aussi sur la partie B2V, puisqu'on a un site qui va montrer, on avait fait une exposition en 2016 sur ce qu'on avait appelé ville et santé, un paradoxe. Et cette exposition, on l'a mise en ligne en quatre langues, avec possibilité de télécharger les panneaux qui avaient été faits dans cette exposition, en français, chinois, les français et chinois sont prêts, bien sûr, et anglais et espagnol. Et on va essayer de diffuser ça dans les universités ou dans les centres de recherche planétaires, au niveau ce qui les intéresse, pour essayer de recueillir des informations sur leur vision, eux, de la ville santé, avec leur culture à eux, vu que ce qu'on a appris avec la Chine nous a montré que tout continent, toute nouvelle culture a une vision différente et nouvelle de la santé, et que ce que nous avons comme vision occidentale est une vision tout à fait intéressante, moderne et utile, bien sûr, puisqu'on est quand même à la pointe de ce qu'on appelait la médecine curative, mais qu'il y a d'autres façons de se soigner également, et d'autres manières de voir la santé, le bien-être, dans d'autres continents et dans d'autres cultures, qui ne sont pas forcément à ignorer, et qui peuvent aussi beaucoup nous servir pour la vision de la ville de demain ici, et de la ville qui devra intégrer les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, tout ce qui est en train de se développer chez nous et qui montre qu'on n'est pas vraiment forcément tous en très bonne santé aujourd'hui. Voilà, je laisse les détails au conseil d'administration de la semaine prochaine pour leur expliquer tout ça. Et j'accueille aujourd'hui nos invités, Anne Bettencourt et Christine, voilà, qui ont souhaité se présenter elles-mêmes. Donc je vous laisse présenter. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Écoutez, on est ravis d'être là.
Je vais me présenter rapidement. J'ai un parcours qui vient du monde du marketing, de la communication. J'ai commencé dans le hamburger. Ça mène à tout. Et puis, des prises de conscience aidant, le développement durable émergent. J'ai commencé à me poser des questions, la crise de la quarantaine arrivant. Et puis finalement, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Nicolas Hulot, avec qui j'ai pu collaborer pendant une dizaine d'années. Et donc je me suis plongée dans ces sujets de l'environnement, des sujets écologiques. Donc ce n'était pas du tout, pour être très honnête, ni mon background, ni... je n'étais pas du tout sur ce sujet auparavant. Et donc j'ai pas mal travaillé évidemment avec lui sur le pacte écologique et puis sur tout ce qu'on a pu faire avec la fondation. Et puis j'ai rencontré d'autres centres d'intérêt et d'autres personnes, en l'occurrence Christine qui va se présenter. Et je me suis rendu compte au final dans mon parcours que les sujets environnementaux étaient au cœur de, évidemment, des préoccupations et de l'avenir concret, mais que finalement tout ça était complètement lié non pas seulement à ce que l'on fait, la prise de conscience que l'on a intellectuelle et matérielle de ce que l'on doit faire, mais aussi d'une prise de conscience beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, qui est de notre rôle ici, de notre contribution à l'évolution et à ce que l'on peut en faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose de beaucoup plus large en fait qu'un sujet ou un autre, et que c'est en travaillant sur ces sujets de fond, de ce que l'on est, de notre contribution et du coup de ce à quoi on veut contribuer, que ensemble, collectivement et individuellement, on pouvait changer le monde. En tout cas, l'objectif que l'on s'y met. Et puis après la fondation, il y a un an et demi, j'ai rejoint Christine Guinevoitière et Eric Alody. Et on a aujourd'hui, je dirige aujourd'hui une cabinet de conseil qui s'appelle Intégral Vision, dont l'objectif est justement d'accompagner les entreprises dans à la fois leur développement intérieur, je vais dire, de ce qu'elles sont, faire évoluer ce qu'elles sont pour faire évoluer ce qu'elles font. Vraiment l'objectif pour arriver à développer le spectre intégral de ce que nous sommes en tant qu'individuels et collectifs. Voilà, c'est un peu long, désolé. Je donne la parole à Christine Guinevoitière. Bonsoir, donc Christine Guinevoitière. J'ai passé une petite vingtaine d'années dans une grande entreprise de téléphonie mobile. Au cours de ces années, j'ai découvert les achats responsables et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer Michael Brandgart vers 2004-2005. Michael Brandgart, qui est le concepteur de la méthodologie Cradle to Cradle, l'économie circulaire, un impact positif avec une méthodologie et un label, et on en parlera ce soir. Je pensais pouvoir déployer cette méthodologie au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, et puis je n'ai pas été entendue. Donc en 2007, j'ai créé une première agence, co-créé une première agence, Intégral Vision, qui est donc maintenant reprise et gérée par Anne. Et en 2011, nous avons vu vraiment l'avènement du Cradle to Cradle démarrer en France. Et donc, on a sorti le Cradle to Cradle de cette agence pour en fonder une autre qui s'appelle EPEA. Et EPEA, c'est un réseau d'entreprises en Europe qui ont créé le Cradle to Cradle et qui déploient le Cradle to Cradle partout et en ce qui nous concerne en France, donc avec mon associé Eric Alody. Et puis l'année dernière, on a répondu à un concours de l'ADEME et c'était le moment de quitter l'agence EPEA pour moi et d'intégrer une start-up qui est là pour accélérer toute la vision et toute la méthodologie et l'expertise que nous avons. Et donc Upcycléa qui accélère la transition des entreprises et des territoires vers l'économie circulaire, basé sur les fondements qu'on va partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour votre écoute et ravi de vous rencontrer ce soir. Le thème que l'on a choisi, c'est effectivement l'économie circulaire pour créer un monde positif. Et vous allez voir que c'est l'intention que l'on porte, en tout cas dans ce que l'on fait, pour vraiment être un levier de changement face aux enjeux que nous avons face à nous. Alors, pour reprendre quelques chiffres,
C'est toujours bien de pouvoir un petit peu donner un peu de contexte pour dire qu'en 2009, l'économie mondiale a consommé 68 milliards de tonnes de ressources naturelles. Et c'est juste le double de ce qu'il y avait 40 ans avant. Donc en 40 ans, on a doublé la consommation de ressources naturelles. Je n'ai pas besoin ici de vous faire un schéma, de dire qu'on est sur une terre qui a un certain nombre de limites et que, évidemment, doubler notre consommation de ressources naturelles tous les 40 ans n'est évidemment pas viable. Là-dessus, la France a utilisé 1 milliard de tonnes, d'après les chiffres de 2013, pour être réactualisé, mais en tout cas, voilà, on a notre contribution, en tout cas de ce que... Alors, pourquoi l'économie circulaire? Pourquoi parle-t-on d'économie circulaire? Comme vous le disiez, l'économie circulaire, c'est vrai que sur certains sujets, en particulier les sujets organiques, l'économie circulaire existait bien avant que l'on en parle. Le fait de créer des boucles pour retourner les produits organiques, les matières organiques à la terre, avant que Eugène Poubelle arrive, c'était évidemment ce qui se passait en partie. Mais du coup, l'économie circulaire, si on veut évidemment aujourd'hui porter notre attention là-dessus, c'est d'abord une question de bon sens. Pourquoi une question de bon sens? Parce que, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, les quantités disponibles, ou en tout cas que l'on sait disponibles, d'un certain nombre de matières, sont limitées. On a des visions, enfin plus que des visions, on a des certitudes qu'un certain nombre de matières arrivent à échéance dans le siècle. Ici, vous avez un exemple de métalloïdes, et ça va vous intéresser de près, puisque nombre de ces métalloïdes sont dans des équipements que vous utilisez dans vos projets d'architecture. J'aime beaucoup prendre l'exemple ici de l'indium. L'indium, c'est donc un métal rare qui se retrouve dans les panneaux solaires, dans nos ordinateurs. Et l'indium a une particularité, vous verrez ça pour d'autres, hein, en lisant ici cet histogramme, vous avez ici les objets usuels dans lesquels vous trouvez les métalloïdes, et ici, vous avez les réserves connues à ce jour. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus d'indium, on dit simplement qu'il y a par exemple 19 années d'indium connues à ce jour. Si nous en découvrons plus, ça coûtera plus cher. Donc c'est intéressant de voir par exemple l'indium, et sa particularité c'est qu'il n'est absolument pas recyclé. C'est-à-dire que la façon dont nos équipements sont conçus à ce jour fait que nous ne pouvons pas récupérer l'indium. Et donc on voit arriver une troisième révolution industrielle, une envie de partir vers des énergies renouvelables, qui s'appuient sur des équipements qui eux-mêmes ne sont pas pérennes par manque de matière. Donc quand on s'intéresse à de l'économie circulaire, comme vous le faites visiblement ce soir, vous, il est important de se poser la question des équipements que l'on utilise et de l'ensemble des projets que l'on fait en voyant une pérennité, puisque quand on parle de 19 ans, c'est peu. Il s'avère, et on a de la chance, qu'il y a déjà des panneaux solaires SunPower qui sont certifiés Cradle to Cradle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces panneaux solaires sont désassemblables. De façon générale, je ferai toujours le parallèle avec l'architecture. L'architecture, selon le modèle Cradle to Cradle, c'est built for disassembly. C'est comment je construis des bâtiments qui seront désassemblables dans le futur pour réellement créer une économie circulaire. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous ce soir. Alors, en même temps, toujours pour finir un peu sur les chiffres, on a un certain nombre de tonnes de déchets que l'on génère. Juste redonner ce chiffre, parce qu'il est quand même impressionnant, 345 millions de tonnes de déchets par an générés en France, dont 70% sont issus du bâtiment. Ce qui veut dire que de tous les déchets que l'on a en France, industriels, les ménages, enfin tous les déchets, 70% sont issus du bâtiment. Et ça fait évidemment relation avec ce que Christine venait de dire, c'est-à-dire qu'évidemment, on a des bâtiments qui sont aujourd'hui détruits, forcément parce qu'ils n'ont pas été conçus pour être désassemblés, et que ces destructions ne permettent pas de valoriser la matière. On ne sait pas trier la matière de gravat, ou en tout cas très très peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, c'est pas à vous que je vais le dire, un énorme sujet de comment valorise-t-on, comment peut-on arriver à valoriser 70% des déchets générés en France qui sont issus du bâtiment. C'est quand même des chiffres impressionnants.
Et donc, sur ces 345 millions de tonnes de déchets, on n'a qu'à peine 18 millions de tonnes de matériaux qui sont recyclés et utilisés. C'est-à-dire que les chiffres sont vraiment... Voilà, les chiffres sont là, j'allais dire, pour nous dire combien aujourd'hui on est dans une économie linéaire qui extrait des ressources naturelles, qui les transforme et qui les jette. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est-à-dire cette économie qui a été créée au moment de la révolution industrielle, quand on n'avait pas du tout imaginé et d'idée qu'on pouvait avoir des limites en termes de ressources naturelles, et que le progrès qui, Dieu merci, nous a permis d'arriver à ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un progrès qui nous a permis de vivre dans des conditions, en tout cas pour une partie de la population mondiale, dans des conditions sanitaires, de confort plus qu'agréables, mais qui par ailleurs, donc ce phénomène de progrès qui est développé à partir de la révolution industrielle, n'avait pas du tout en tête l'idée qu'on pouvait avoir un sujet d'accès aux ressources. Alors ici, évidemment, ce n'est pas vous qu'on va convaincre, mais il y a un deuxième sujet pour lequel, vous verrez, on fait le lien sur l'économie circulaire, c'est tous les enjeux de santé. Et le bâtiment étant un énorme sujet, démontré, en tout cas, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait certaines études pour dire que l'air intérieur est 2 à 5, certains endroits, 7 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est un réel sujet de conception de tout ce que l'on fait, puisque, évidemment, tout ce que l'on conçoit, on peut dire, respecte les normes en vigueur, respecte REACH, par exemple. Les normes REACH respectent individuellement les normes en vigueur. Mais collectivement, quand on met tout dans une pièce, peut-être cette peinture ou les revêtements de ces fauteuils, la moquette quand il y en a, ou enfin bref, un assemblage de meubles, tout ça fait que là on a atteint des taux de toxicité qui ne sont pas acceptables, puisqu'ils sont évidemment, en tout cas, difficilement acceptables sur ce sujet. Et vous allez voir pourquoi donc on pense que l'économie circulaire est une question impact positif est une question de santé publique. Ici sur cette slide, vous allez voir, il y a une prise de sang qui a été faite par un journaliste du National Geographic. Et il a mesuré tous les polluants qu'il trouvait dans son sang. Et en fait, sur un peu plus de 300 produits qui ont été testés, on en trouve presque 200 comme étant des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Cette même prise de sang a été faite sur un cordon ombilical et on retrouve que, enfin, les études nous démontrent qu'environ 40% des nouveau-nés maintenant en Europe naissent avec des allergies. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pollution s'est retrouvée, non pas parce qu'il est dans un métier dangereux, il n'a pas du tout de profession dangereuse, simplement parce qu'il est la majorité de son temps dans des intérieurs, donc soit chez lui, soit à son bureau, soit dans sa voiture. La voiture qui sent bon le neuf, c'est avant tout des COV, c'est avant tout de la toxicité. Et on ne réalise pas qu'une vie passée dans des endroits qui assemblent autant de COV, dans des endroits qui émettent autant de toxicité, à un moment donné, on arrive à des seuils qui amènent un vrai lien entre la santé, l'avènement des cancers et des allergies, et la toxicité que l'on a à l'intérieur de nos organismes. Ce n'est aussi ce que l'on va trouver sur les vêtements qu'on porte et sur la nourriture que l'on mange. Donc c'est l'ensemble. Donc on n'est pas en train de dire qu'un produit est dangereux, mais comme le disait Anne, c'est l'ensemble de ces COV, c'est l'ensemble de cette toxicité alimentaire, c'est l'ensemble de la transmission de ce que l'on porte sur nous, sur notre peau, devient problématique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du Cradle to Cradle comme une économie circulaire à impact positif? C'est parce que la bonne nouvelle, il y a une solution. Et c'est ce qu'on va vous démontrer ensuite. Donc la solution, en tout cas, vous avez compris un peu le contexte dans lequel on était. Nous, j'ai un moment où je me suis dit, mais comment on peut faire pour changer le monde et transformer et créer un monde positif? Et effectivement, grâce à Christine en l'occurrence, j'ai rencontré le Cradle to Cradle. Le Cradle to Cradle, ça a été conçu pour
créer un monde positif, pour se dire comment peut-on faire dans cette spirale dans laquelle on est, pour non pas aller dans cette spirale infernale de consommation, de toxicité, etc., mais créer un mouvement, créer d'abord une philosophie, et puis adapter concrètement dans ce que l'on fait, qui permet non pas d'être dans cette économie linéaire qui extrait, qui transforme et qui jette, mais comme l'expression anglophone, il y a une expression anglophone qui est de cradle to grave, donc du berceau à la tombe, et Bill McDonough, architecte d'ailleurs, et Michael Brongard, chimiste, ont créé le cradle to cradle, qui est du berceau au berceau, pour dire comment il est possible de créer, de concevoir des biens, des produits, des villes, voire le monde, sur le principe du cradle to cradle, du berceau au berceau. Mais pour ça, on a besoin, en fait, bien sûr qu'il y a besoin de technicité, bien sûr qu'il y a besoin, et vous verrez, Christine en reparlera, mais il y a besoin de véritable connaissance de la matière, de la chimie des matériaux, de tout ça. Mais d'abord, en fait, avant tout ça, c'est d'abord un changement de regard. D'abord un changement de perspective. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut contribuer quand on construit un bâtiment ou on conçoit un produit, à quoi veut-on contribuer. Et là, on a deux... En fait, il y a deux façons d'imaginer les choses. Depuis que le développement durable a pris son élan, dans une trentaine d'années, on est rentré dans cette perspective de se dire, bah, en fait, il faut qu'on réduise l'impact de nos activités. Il faut qu'on évite d'émettre du CO2. Il faut qu'on minimise notre impact sur la biodiversité. Il faut que l'on prévienne les problèmes de santé. Il faut qu'on réduise notre impact. Donc, on prend ce que l'on fait, là où on est, et on réduit notre impact. On réduit. Ça, c'est une perspective. Donc, c'est la perspective de réduire notre impact. Et puis, on a une autre perspective, qui est de dire, bon, en fait, finalement, notre objectif, ce n'est pas de réduire notre impact, c'est de changer de regard pour pouvoir avoir un impact positif. Pour pouvoir se dire que ce que l'on crée ne va pas avoir un moindre impact, mais va bien contribuer à avoir un impact positif sur la santé, sur notre environnement, sur l'économie, etc. etc. Et... Une autre façon de le partager, c'est que jusqu'à présent, le développement durable, on crée des produits, on crée des bâtiments et on ajoute des coûts pour réduire ensuite. C'est-à-dire que le développement durable, c'est un coût pour réduire ce que l'on vient de faire. C'est une façon de voir. Et on va aller chercher de l'innovation pour réduire son impact. A l'inverse, le cradle to cradle, c'est de l'écologie non punitive. On part de la situation telle qu'elle est. Personne n'a décidé du jour au lendemain qu'il allait complètement polluer le monde. C'est simplement une suite d'actions et une volonté de vouloir répondre au progrès pour le plus grand nombre, de vouloir du progrès pour tous, vouloir du bien-être pour tous, on en parlait tout à l'heure du bien-être, vouloir du bien-être pour tous, on est allé chercher de plus en plus de matières, de plus en plus de produits, de plus en plus de bâtiments. Ici, à l'inverse, on n'est pas punitif, on est tel que l'on est. Par contre, ensemble, on va aller chercher avec ces parties prenantes les plus grands impacts positifs possibles pour nos projets. Et dans le cas de l'architecture, comment est-ce que mon bâtiment va apporter des services et va avoir l'empreinte la plus grande possible avec ses habitants, ses occupants, mais ses parties prenantes, y compris l'environnement. L'autre point aussi qui est important et qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vraiment se voir, nous, espèce humaine, comme non séparés de la nature. Donc c'est bien de l'écologie. Mais en même temps, comme le disait Anne, on recherche l'impact économique le plus grand possible, parce que nous ne sommes pas naïfs. Jamais une démarche ne grandira s'il n'y a pas des impacts économiques, tout simplement parce que c'est de cette façon qu'il faut absolument croître. Et l'économie doit croître de la même façon, mais elle doit croître de façon juste.
avec le Cradle to Cradle, on va aller chercher des impacts qui sont justes pour la croissance et le bien-être de tous. Et donc pour ça, on a un formidable modèle devant nous, qui a tout conçu depuis un certain nombre de milliers d'années, c'est la nature. En fait, la nature, c'est le modèle le plus écosystémique possible, le plus circulaire possible. Dans la nature, le principe, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Tout est ressource, tout est nutriment pour quelque chose. Bien sûr qu'il y a de la violence, bien sûr qu'il y a des poisons, bien sûr que... On dit souvent la nature, c'est un grand restaurant, une grande boucherie, oui, évidemment. Mais dans le système écosystémique, tout est conçu pour avoir une vie, soit une deuxième vie, même quand il est mort, mais en tout cas pour servir à quelque chose. Tout est ressource, tout est nutriment pour quelque chose. Le principe de base de la nature, son énergie, c'est l'énergie renouvelable, puisque c'est l'énergie du soleil. Et puis, comme je le disais, c'est complètement écosystémique, et donc le mode de fonctionnement, c'est la coopération complète. Cette méthodologie, Cradle to Cradle, s'accompagne d'une certification pour les produits. Pour les bâtiments, la démarche s'appelle C2C Inspired Building, parce que bien évidemment, on ne peut pas labelliser un bâtiment entier, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi, tout simplement parce qu'on peut connaître l'ensemble de la composition des produits, ce qui serait assez phénoménal pour l'instant pour les bâtiments. Donc il y a un label qui est un label public, dont l'organisme de certification se trouve et aux États-Unis, en Californie et à Amsterdam. Donc c'est d'ordre public. Et puis il y a dans de nombreux pays des agences telles que EPA Paris qui sont assesseurs, évaluateurs pour la certification des produits. Donc le principe de l'économie circulaire, c'est qu'en fait il y a deux boucles dans l'économie circulaire, une boucle organique et une boucle technique. En général, quand on parle d'économie circulaire, la majeure partie du temps, on nous dit c'est du recyclage. Alors j'ai appris quelque chose hier qui était quand même assez drôle. On a fait un sondage, il y a eu un sondage qui a été fait sur l'économie circulaire, où des gens pensaient que c'était du blanchiment d'argent. On faisait circuler l'économie. Donc, je vous dis parce que c'était quand même, quand on demande des gens c'est quoi l'économie circulaire, c'est du blanchiment d'argent. C'est pas complètement ça. Hein, donc on fait circuler l'économie, on fait circuler la vie, mais pas exactement dans cet esprit-là. Le principe, c'est que c'est vraiment deux boucles. Une boucle organique qui est la boucle la plus traditionnelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire que tout ce qui est extrait de la terre doit revenir à la terre. Tout ce qui est extrait de la terre doit revenir à la terre. Donc, il y a plein de façons de le faire. Il y a une façon un peu radicale qui est de dire je prends de la matière organique et je la brûle et j'en fais un peu d'énergie si possible. Là, ça veut dire qu'on a quand même perdu énormément de la valeur de la matière. Ou il y a une autre possibilité qui est de travailler cette matière organique pour en faire du compost de qualité, pour en faire de la matière de qualité, pour qu'elle revienne à la source et donc à la terre. Et la deuxième boucle, c'est la boucle technique, qui là aussi, quand on conçoit des produits, et dans le cadre du Cradle to Cradle, on conçoit des produits pour être désassemblés, démontés et non toxiques, pour avoir la possibilité de faire une boucle complète qui permet de dire que si je conçois un produit, il peut être facilement réparable, désassemblable, soit le produit continue sa vie, soit la matière continue sa vie, plutôt que d'être dans un circuit ultra court qui est soit de l'enfouissement, soit de l'incinération. Même pour faire de la valorisation énergétique, on a perdu énormément de valeur à la matière. Et c'est cette matière que l'on n'aura plus. Donc ça, voilà, ces deux boucles. Alors, pour vous donner des exemples. Donc les boucles que vous venez de voir et qui sont issues de la Fondation de la MacArthur, qui a repris aussi cette boucle par l'Institut d'économie circulaire, en fait, sont issues tout simplement de la méthodologie Cradle to Cradle. Et d'ailleurs, l'année 2018 verra enfin l'avènement des deux, c'est-à-dire la MacArthur, commençant à expliquer que la méthodologie de l'économie circulaire est basée sur celle du Cradle to Cradle, parce que c'est juste une réalité. Le Cradle to Cradle, l'économie circulaire Cradle to Cradle, c'est pas récent.
ça a plus de 30 ans en termes de concept. Donc on va commencer à pouvoir enfin expliquer que le label de l'économie circulaire s'avère être celui du cradle to cradle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ce que disait Anne tout à l'heure, si vous regardez tout simplement dans la nature, vous pouvez tout séparer en deux cycles. Entre ce que l'on porte sur nous et ce qui nous entoure peut soit faire partie du domaine biologique, donc ce sont des matières naturelles, soit faire partie du domaine technique, c'est tout ce qui n'est pas compostable, biodégradable. À partir de cela, quand vous travaillez sur vos projets, il y a des bonnes questions à se poser. Est-ce que j'utilise des éléments qui viennent du cycle biologique ou est-ce que j'utilise des éléments qui viennent du cycle technique ? Un premier exemple de cycle biologique, Anne, tu parlais du compost. Je n'ai pas amené mon t-shirt CEA à 7 euros, mais vous avez un t-shirt certifié or de chez CEA à 7 euros. Tout de suite comme ça, on ne me dira pas est-ce que ça coûte cher ou pas. Et vous l'avez ce t-shirt dans les magasins CEA, manche courte, manche longue, homme, femme et bientôt enfant, qui est certifié cradle to cradle et qui a une particularité, c'est qu'après avoir été porté, prêté, donné, en fin d'usage, en fin de vie, peut retourner à la terre, tout simplement pour régénérer les terres agricoles. Je ne sais pas si vous êtes conscient que sur un niveau de 0 à 5 sur la désertification des terres, plus particulièrement en Europe, on est déjà au niveau 3 et on dépasse le niveau 3. Ça veut dire que nous devons collectivement, dans nos projets, aider l'agriculture à se régénérer, aider les terres arables à se régénérer. Est-ce que, éventuellement, vos projets futurs participeront à cette boucle biologique ? C'est des vraies questions auxquelles on peut s'atteler, et surtout, ça donne des angles de communication avec ces parties prenantes. Donc là, vous avez toutes les façades, tous les métaux, tous les produits biosourcés. Est-ce que la façon dont ils ont été conçus et assemblés peuvent réellement retourner à la terre ? Un exemple que l'on utilise fréquemment dans le domaine des bâtiments, c'est celui de la cascade du bois. Vous pouvez imaginer un premier usage de bois, par exemple en charpente ou en façade, et qui peu à peu, après démontage, peut ensuite finir sur des morceaux un peu plus petits, vers par exemple de l'ameublement, puis en aggloméré, puis au final, incinéré correctement pour pouvoir retourner ensuite à la terre. Ça, c'est la boucle biologique. Et puis vous avez la boucle technique, et celle-ci est très intéressante. Lorsque l'on pense modèle naturel et qu'on dit que le cradle to cradle imite la nature, on n'imagine pas qu'il est aussi possible de faire cela avec des matériaux techniques. Alors ici, je prends l'exemple de la moquette d'Essau, mais vous avez la même chose avec des plaques de plâtre de chez Signat. Vous avez ça également avec des faux plafonds de chez Armstrong. On commence à avoir pas mal de produits. Il y a 6 000 ou 8 000 produits qui sont certifiés en tant que cradle to cradle et majoritairement dans le domaine du bâtiment. Et cette moquette, elle a une particularité. C'est que cette moquette, en fin d'usage, elle est récupérée, le dessus et le dessous de la sous-couche sont séparés, chacun retourne dans un cycle où ils sont dépolymérisés pour pouvoir refaire un nouveau fil et une nouvelle moquette. Donc on n'est pas dans un paradigme où j'ai des moquettes que j'utilise, que j'enlève et que j'essaye de refaire des petites plaques de moquette pour de l'usage et au final je termine en sous-couche de route. Je suis bien en train de parler de dépolymérisation pour retourner au monomère de base pour pouvoir faire une nouvelle moquette. C'est important l'exemple parce que, évidemment, que c'est du circulaire si toutefois ma moquette retourne en sous-couche de route après broyage et traitement. La seule difficulté, c'est que probablement, que ce soit dans le domaine des plastiques, c'est très fréquent, ou dans le domaine de la moquette par exemple, lorsque vous utilisez ces produits, ils n'ont pas été conçus pour être dehors. Et donc la toxicité qui se trouve dans vos produits type moquette, en général c'est surtout les additifs et les colorants, les additifs dans les plastiques, les colorants par exemple dans la moquette, tous ces produits ne sont absolument pas conçus pour être en extérieur. Et donc avec la pluie, l'érosion, le soleil, eh bien les toxiques n'ont pas disparu dans le traitement et dans le broyage et se retrouvent dans les sols. Multiplié par le nombre de millions de tonnes qui partent en sous-couche ou qui partent en extérieur, en latte de plastique en extérieur ou en mobilier urbain en plastique, eh bien vous vous retrouvez avec une somme assez importante de polluants qui n'étaient pas prévus ni conçus pour cet usage final. Donc porter de la conscience sur les matériaux qu'on utilise et sur leur vie suivante a beaucoup d'importance. Et puis il y a un point ici aussi, c'est le mot upcyclage. Lorsque l'on pense recyclage, immédiatement vous avez en tête une notion de sous-cyclage. J'ai un produit et je le retraite pour un objet de moindre valeur, en tout cas en termes de qualité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage, et j'adore en anglais, on dit downcycling. C'est très clair. C'est moindre valeur.
dans le Crédit au Crédole, les projets que l'on met en route sont des projets à l'inverse. Vu que l'on fait des boucles complètes de matériaux avec des usages qui servent et donc des flux de matière qui servent aux parties prenantes, on va faire ce que l'on appelle du surcyclage en français, de l'upcyclage, de upcycling en anglais, où chaque passage sera l'occasion de nettoyer le produit et donc de redonner des vies suivantes aux produits qui ne sont pas naturels. Et finalement, c'est la même chose que le modèle naturel, c'est-à-dire que les produits qui sont utilisés par nous et qui peuvent retourner en terre permettent de régénérer les terres des agriculteurs. Donc c'est vraiment passionnant de commencer à s'intéresser à ce modèle d'upcyclage et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'utilise comme produit? Et messieurs les fournisseurs, qu'est-ce que vous faites après de vos produits? Comment est-ce que je peux les réutiliser et qu'est-ce qui peut se passer avec ces produits? Et pour boucler la boucle, pour continuer sur le modèle juste de la moquette, ce qui est intéressant, c'est que ça remet en question aussi le modèle économique. Pourquoi? Parce que, évidemment, le sujet, c'est quand on crée une moquette désassemblable, non toxique, qui peut revenir dans son circuit de production, ça veut dire qu'il faut aussi imaginer comment ça va revenir dans son cercle de production. Et pour ça, il y a des expérimentations de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire on vend non pas une moquette, par exemple, mais l'usage de la moquette. Donc vous allez faire un contrat de 7, 8, 9, 10 ans, peu importe, avec le client, qui va permettre de se dire qu'une fois que la moquette est en fin de vie, en tout cas d'usage, mais pas complètement trop abîmée pour pouvoir quand même revenir dans des cycles de production, alors le vendeur de moquette qui a mis à disposition la moquette et loué en quelque sorte l'usage de la moquette va pouvoir récupérer la matière pour la remettre dans son cycle. Et vous voyez qu'économiquement parlant, quand on récupère de la moquette qui était certes stockée chez des clients mais qu'on la remet dans son cycle, ben c'est autant de moquettes, c'est autant de matière naturelle que l'on ne va pas avoir à faire revenir dans son cycle. Et c'est un point extrêmement important que soulève Anne, parce que dans ces cas-là, on est effectivement dans l'économie de la fonctionnalité, mais on peut aussi l'appeler l'économie d'usage. C'est-à-dire qu'on peut commencer à assembler des produits qui ont des durées de vie qui sont différentes. Et on peut commencer à regarder même le bâtiment comme non pas quelque chose de statique, mais comme un flux de matière. 70% des bâtiments sont refaits 3 fois pendant leur vie. Ce sont des chiffres qui viennent des grandes entreprises de construction. Et ce qu'on voit comme statique est en réalité un flux de matière. Du coup, commencer à s'intéresser encore une fois aux matériaux et comment ils sont assemblés devient absolument intelligent. Et si en plus je travaille avec mes fournisseurs pour louer la moquette, pour louer éventuellement mes éclairages, pour louer mon ascenseur, avec des modèles qui sont nouveaux, qui existent déjà, on peut commencer à avoir des fonctionnements complètement différents et des bâtiments qui ont des fonctions complètement différentes, avec des coûts associés bien différents. Alors, avant de vous donner quelques exemples, redonner un petit peu les principes de cette économie circulaire à impact positif. Comme vous l'avez compris, la première chose, c'est l'intention. Quelle intention je mets dans la conception, l'éco-conception, et bref, tout mon modèle économique, etc. Quelle intention j'y mets? Quelle intention je mets pour créer des boucles, pour maintenir la valeur de la matière, upcyclée comme on l'a dit, et non pas downcyclée? Qu'est-ce que je vais faire pour que je maintienne la valeur de la matière et pas que la matière disparaisse? Qu'est-ce que je vais faire pour utiliser, dans la mesure du possible, des ressources usagées? Si je sais leur contenu, si je sais ce qu'il y a dedans, comment je vais pouvoir intelligemment utiliser de la ressource usagée plutôt que de me dire j'ai des déchets et j'essaye d'en faire quelque chose? Troisième principe, coopérer, créer des écosystèmes industriels et territoriaux viables et résilients. Je crois qu'on vous l'a dit. S'il n'y a pas de viabilité, si ce n'est pas résilient, si ce n'est pas en écosystème, ça ne fonctionnera pas. Deuxième principe, anticiper dès la conception la prochaine vie, soit du produit, réparable, réemployé, etc., soit de la matière qu'il compose. Ça, c'est vraiment le principe, donc c'est penser démontable, désassemblable, non toxique. Vous voyez pourquoi on parle de non-toxicité, parce que vous pouvez bien imaginer que des industriels qui veulent utiliser de la matière usagée, s'ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dedans, s'il y a eu un peu de toxicité, voire beaucoup de toxicité dedans, ne peuvent pas prendre le risque d'utiliser de la matière recyclée dont on ne sait pas du tout
ce qu'il y a dedans, qui n'est pas vraiment, voilà, faire un produit en se disant je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas caractériser, du coup forcément je prends un risque et moi je ne peux pas en tant qu'industriel prendre ce risque. Ce qui est donc un énorme frein au système de recyclage actuel. Ça veut dire penser ressources et pas déchets. Ça veut dire qu'on garde cette valeur, enfin on garde vraiment cette idée que la ressource va avoir de la valeur le plus longtemps possible. C'est revoir les modèles, on vient d'en parler aussi, les modèles de vente pour favoriser l'usage plutôt que la possession, quand c'est possible, pour garder là encore la boucle et la valeur. Alors, on redonne un petit... Parce que souvent on nous dit, oui, mais tout ça, vous êtes complètement utopiste, ça ne marchera jamais, on a des problèmes économiques, enfin, je vous fais tout ça. Je redonne juste ce chiffre d'une étude qui a été faite par McKinsey avec la fondation Hélène MacArthur, et qui dit que si on mettait en place l'économie circulaire en Europe, on pourrait économiser 380 milliards de dollars par an en matières premières qui, pour la majeure partie, comme vous le savez, ne viennent pas d'Europe. Donc c'est quand même un sujet éminemment économique, éminemment politique, éminemment géopolitique. Donc c'est pas seulement un sujet environnemental, c'est pas seulement un sujet de santé, c'est un sujet intégral, un sujet qui nous concerne tous et notre avenir. Et par ailleurs, évidemment, le fait de concevoir et de donner de la valeur et de garder de la valeur à la matière qui certes est peut-être venue d'ailleurs à un moment mais qui du coup va être en boucle en Europe par exemple si on parle d'Europe, ben, ça va créer, générer des nouveaux emplois ici. Alors quelques exemples. Alors le parc 2020 à Amsterdam que je vous invite à aller visiter, hein, c'est à 3 heures d'ici. Alors c'est intéressant parce qu'on voit des modèles de bâtiments qui... Moi, m'intéresse maintenant, j'ai bien conscience que je suis au milieu des millions d'architectes. Donc, chacun y verra ce qui lui plaît dans ces bâtiments, mais ils ont la particularité d'avoir été designés pour être désassemblés. Donc, vous allez sur le site internet de Parc 2020 et vous retrouvez des exemples de ce qu'il est possible de faire. Sachez que l'agence EPEA, ici à Paris, accompagne une petite vingtaine de gros projets de cet ordre. Building pour être désassemblé auprès de marques prestigieuses de construction et de promoteurs. Et donc, c'est le premier projet bâtiment Cradle to Cradle qui a vu le jour. C'était un projet humble et simple dans le nord de la France. Là, le prochain bâtiment qui sera labellisé C2C Inspire, c'est le centre commercial du Prado à Marseille. Et puis ensuite, arriveront de très gros projets de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, y compris à la Défense. Et donc, nous vous informerons au fur et à mesure du suivi de cette démarche. Mais effectivement, on n'est plus dans le monde de l'utopie. La route du C2C Building, du Spy Building, est large et s'accélère. La particularité de ces bâtiments, ce qui me plaît dans ces bâtiments, c'est que souvent quand on pense, hein, comme tout à l'heure, recyclage égale downcycling, écolo veut dire triste. Et bien là, non, pas du tout. Quand on utilise les bons matériaux qui sont upcyclables et on fait attention à la toxicité, et qu'en plus on y met le génie créatif que vous possédez en tant qu'architecte, il y a vraiment moyen de faire de très beaux bâtiments. Vraiment de très beaux bâtiments. Ici, l'ensemble des produits qui composent au moins l'intérieur des bâtiments a été conçu pour purifier l'air intérieur. Donc la peinture capte les COV, les plaques de plâtre captent le COV, les sols ici c'est majoritairement de la moquette, et là je vais vous surprendre, mais c'est la moquette type Dessau où là les particules, les poussières fines en particules sont captées dans la petite boucle de la moquette puisque ça a été conçu pour ça, ça n'émet pas de COV. Et ce qui est intelligent aussi, c'est que ce bâtiment-là en particulier appartient à AEG, qui est un fabricant de matériel de cuisine, d'équipements de cuisine. Et pourquoi est-ce que c'est intelligent? C'est qu'en fait, ils ont répondu à un obstacle par un bâtiment. Il y avait toute l'équipe AEG qui se trouvait dans un siège social, et puis la problématique d'AEG, c'est de ne pas être en contact avec leurs clients. Les produits AEG sont revendus par des revendeurs, et ils ne sont jamais en contact avec leurs propres clients. Ils se sont dit, tiens, on construit un bâtiment, le service qu'on pourrait rendre avec ce bâtiment,
c'est d'être tout simplement en contact avec nos clients. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est que un week-end par mois, c'est ouvert au grand public pour qu'ils viennent tester des recettes de cuisine, faire des séminaires de cuisine, de l'apprentissage de la cuisine. Et évidemment, ces séminaires de cuisine ont lieu sur les nouveaux modèles de AEG. Donc c'est le moment où l'équipe AEG est présente pour voir comment les ustensiles sont utilisés, les équipements sont utilisés. Et du coup, ce qui était un problème, nous, AEG, on ne rencontre jamais nos clients, est devenu en fait un avantage puisqu'ils les font directement venir à leur siège social qui est utilisé le week-end pour des actions en marketing intelligentes. Ici, il y a quelques projets qui sont suivis par l'agence EPA, réalimenter Masséna à Paris, le centre-bourg de Langouette en Bretagne qui veut être 100% circulaire. Et donc là, ça amène des projets d'urbanisme qui sont juste géniaux, le fameux centre du Prado, et puis ici, des projets suivis par Vinci. On a également testé avec des proof of concept ici, avec un gestionnaire de déchets, comment est-ce qu'on peut récupérer des matières organiques pour pouvoir en faire un compost de qualité qui ira nourrir les champs des agriculteurs bio qui eux-mêmes vendront leurs produits bio à des cantines scolaires. Donc là, on s'abat, on s'attelle à des projets qui sont essentiellement d'ordre législatif. C'est hyper compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le vrai obstacle au déploiement de ce type de projet, c'est avant tout la séparation et les silos qui existent dans les entreprises et dans les collectivités et dans les achats publics. Mais petit à petit, on y arrive parce qu'en fait, quand on a envie de créer des projets innovants à impact positif, finalement, les acteurs se mettent autour de la table. On parlait d'usage tout à l'heure, effectivement, et de changement de modèle économique. Philips teste et a mis en place pour certains de ses clients professionnels, pas le public, mais clients professionnels, un nouveau modèle de vente. Et en fait, plutôt que de vendre des ampoules, ils vendent une intensité lumineuse. Ce qui veut dire que vous imaginez bien qu'à partir du moment où on vend une intensité lumineuse, et donc peu importe combien d'ampoules sont changées, on a quand même sacrément intérêt à ce que les ampoules ne soient pas, ne s'éteignent pas trop souvent, puisqu'il faut envoyer à chaque fois des personnes qui vont pouvoir réparer pour que l'intensité lumineuse soit toujours la bonne. Et ça, c'est intéressant parce que vous imaginez qu'avec en vendant de l'intensité lumineuse, ben ça nécessite obligatoirement d'avoir un cycle complet de la matière, en l'occurrence les ampoules que l'on met à disposition, pour que ça soit le plus durable possible et qu'on puisse créer évidemment des durabilités des produits, des ampoules en l'occurrence. Voilà, je pense que Dessau, on en a pas mal parlé. Donc voilà un petit peu en tout cas ce qu'on voulait vous présenter sur EPEA. Sur l'économie circulaire à impact positif, et je passe la parole à... que j'ai pas arrêté de lui passer, à Christine pour parler de l'étape d'après. Pour terminer sur l'étape d'après, en conclusion de cette soirée, on voit bien que non seulement l'économie circulaire ici a beaucoup de sens, mais on sent aussi un tout petit peu de complexité dans la gestion de l'ensemble des partenaires, dans la connaissance de la matière, la caractérisation de la matière. Et donc l'année dernière, mon associé Eric Alodi et moi-même avons répondu à un projet de l'ADEME, et donc on est lauréat de la Green Tech Verte avec cette première plateforme intelligente qui a la particularité de connecter tous les acteurs économiques pour créer ces fameux écosystèmes circulaires pour qu'il n'y ait plus de déchets. Et cette plateforme, ici je vous donne un exemple d'usage, par exemple pour les bâtiments. Lorsqu'un bâtiment est conçu comme un objet, on peut d'ores et déjà comprendre que le bâtiment est donc composé d'éléments que l'on assemble, que ces éléments ont tous des durées de vie différentes, que ces éléments sont soit techniques, soit biologiques, et qu'avec ces durées de vie différentes et tous ces éléments, on peut commencer grâce à une méthodologie que vous avez bien, qui est donc l'utilisation du BIM. À partir du BIM, on peut extraire des informations et les ajouter dans notre plateforme, auxquels on ajoutera des informations supplémentaires du type les prochains usages, les compositions, et éventuellement les utilisations futures et les partenaires suivants qui pourront utiliser ce type d'équipement en fin de démontage.
Et donc, grâce à cette plateforme numérique, on a eu le plaisir de démarrer les premiers projets qui vous facilitent la vie, et en tout cas les donneurs d'ordre, les maîtrises d'ouvrage, pour pouvoir avoir des bâtiments qui soient enfin circulaires. Voilà. Donc, la parole est à... Au-delà de la philosophie des deux volontés, est-ce que vous avez le sentiment que les industriels vous écoutent aussi? Parce que nous sommes de simples prescripteurs, on peut générer des envies, mais est-ce que les industriels vous suivent sur ces sujets? Ou en tous les cas, ça remet considérablement en pratique les pratiques de certains, je pense, surtout fabricants de matériaux. Est-ce que vous en avez rencontré? On passe beaucoup de temps, oui, on est très sollicité. Ça s'est accéléré sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que les industriels réalisent qu'ils ont un train de retard par rapport à, par exemple, le Benelux et l'Europe du Nord, où vous trouvez beaucoup de produits qui ont déjà été conçus pour l'économie circulaire, qui ont été prévus pour être désassemblés, qui ont été prévus pour vous donner des notes sur l'utilisation, la toxicité, etc. Et qu'en France, bah, ils ne sont pas partis au moment où on leur a parlé du Cradle to Cradle en 2007, et là on est en maximum d'activité pour répondre aux besoins des projets qui sont à venir. Donc oui, les industriels réalisent, ils sont à la recherche aussi de matériaux qui soient circulaires. Donc là, tout est disponible. Il faut aussi avoir des cahiers des charges de votre côté. D'abord, il faut savoir que ça existe, ça, c'est le premier point. C'est une raison pour laquelle on est heureux d'être ici ce soir. Déjà, il faut savoir que cette philosophie existe, en tout cas que cette démarche existe. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'enregistrement, dans le registre aussi, on n'est pas obligé d'aller dans la labellisation de ces produits, mais déjà de savoir que ça existe, ça c'est important. À partir de là, vous allez, je suis sûre, à partir du demain, commencer à vous poser des bonnes questions, et chemin faisant, au fur et à mesure de vos possibilités et de vos demandes, vous verrez les fournisseurs qui répondront. Donc nous, on a créé toute une méthodologie pour pouvoir faciliter la vie des fournisseurs, pour qu'ils répondent au mieux aux demandes des cahiers des charges, C2C ou bilan C2C like, parce que d'un seul coup, on se retrouve avec un marché inexistant en France. Et peut-être pour compléter la question, on est dans un moment très particulier où la prise de conscience évolue très certainement. Le gouvernement est en train de mettre en place, travailler sur une feuille de route nationale de l'économie circulaire, avec Hulot. Ça ne répondra pas à tout. On l'attend d'un jour à l'autre, c'était aujourd'hui, peut-être demain, la pré-feuille de route. Ça ne répondra pas à tout, mais ça a quand même eu un peu l'effet, comme pour le Grenelle de l'environnement, de mettre tous les acteurs, en tout cas une partie des acteurs autour de la table, pour vraiment parler ensemble de ces sujets. Donc, ça bouge. Ça bougera sur la pression, ça dépendra aussi de ce qui se passera sur un plan financier, fiscal, etc. Mais on voit que la demande, en tout cas de ce qu'on peut voir dans nos entreprises, on peut voir que on n'est plus à certains qui nous disent seulement c'est de l'utopie. Ça avance vraiment, et que tant qu'à faire, on peut aller soit dans une économie circulaire qui est juste, j'essaye de payer mieux mon éco-organisme pour que ça soit mieux recyclé. Et pardon, je n'attaque personne. Mais souvent, on voit bien que ça, c'est l'étape minimum qu'on a fait jusqu'à présent, et qu'il faut qu'on passe à l'étape d'après. Et le dernier point qui est important, c'est que la conscience évolue, et que les nouvelles générations qui sont en train d'arriver dans les entreprises, dans les industries, et même dans les collectivités, c'est tout simplement une génération en recherche de sens. Et dès lors que vous voulez garder vos collaborateurs, vous avez même des grandes entreprises françaises qui nous demandent de les accompagner parce qu'ils n'ont pas de projet de sens pour garder leurs collaborateurs de qualité. Donc, si ça ne vient pas pour des raisons d'écologie, c'est pas grave. C'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon angle et que ce soit en plus économiquement intéressant pour tous. Parce que c'est quand même une économie circulaire. Donc ça veut dire que les mots économiques, on ne doit pas oublier. Mais on ne peut plus le faire au détriment des nouvelles générations et de l'environnement. Et je pense que cette prise de conscience-là est très importante. Vous l'avez peut-être déjà expliqué, mais la facture pour la maîtrise d'ouvrage, elle est
équivalente avec ces nouveaux systèmes, ou, enfin ces systèmes, ou ça fait grimper sa facture à l'investissement quand même? En fait, on part d'un principe qui est très simple, c'est que le budget fait partie des contraintes. Très simple. Donc de toute façon, le budget étant ce qu'il est, notre méthodologie nous permet de décider avec le client quel est le plus grand impact qu'il souhaite avoir avec son projet et avec le budget. Donc on s'en accommode, c'est notre expérience sur un grand nombre de projets, c'est peut-être pas la vôtre, c'est la nôtre, c'est sûr. Mais c'est souvent ce qui coince quand on a envie de proposer des choses nouvelles pour le client. Ça coûte plus cher, ben non. Mais c'est plus cher pour faire quoi? C'est-à-dire que si ce sont des méthodologies ou des idées qui viennent de la diminution de l'impact, effectivement, ça coûte plus cher. Si dès le départ, je pense qu'Anne en parlait tout à l'heure, on est bien dans l'éco-conception d'un projet, y compris d'un projet de bâtiment, et qu'on y prévoit par avance l'ensemble des impacts et que l'on inclut dedans le budget, il n'y a pas besoin d'avoir de dépassement de budget. Ça fait partie des contraintes, en même titre que les contraintes environnementales, mais on sait ce qu'on choisit, pourquoi on choisit et quel service ça va rendre. Pour vous donner un exemple complémentaire par rapport au bâtiment, à partir du moment où on se dit qu'on conçoit pour être désassemblé et qu'on a donc une valeur de la matière qui va être, alors pas pour tout de suite, parce qu'on ne va pas être désassemblé tout de suite, mais cette valeur de la matière dans le projet global, on sait que si on la conçoit comme ça, on va pouvoir lui redonner une autre valeur derrière. Ça veut dire accompagner les filières. Il y a beaucoup de changements à voir. Hein. Le grand soir n'existe pas. Mais si on se dit que la valeur, enfin on sait que ça va avoir de la valeur, alors dans un budget global et sur le long terme, c'est pris en compte. Et c'est des choses qui sont de plus en plus aussi aujourd'hui de la différenciation par rapport à des projets qu'on peut apporter. On voit que quand le PEA accompagne, puisqu'on accompagne la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi des moyens de dire on crée un budget, on crée un projet qui, dans le long terme, va avoir cet impact. Et donc, et la valeur de la matière. Voilà, c'est comme disait Christine, il faut le prendre dans son ensemble. Et puis, vous savez, les idées reçues comme quoi, forcément, parce que c'est pas toxique, forcément parce que ceci c'est plus cher, c'est quand même pas toujours garanti. Hein. C'est un moment. Parce que les industriels qui créent ces produits et qui innovent ne veulent pas spécialement vendre plus cher non plus. Juste pour ils ont un marché à protéger. Donc de toute façon, ils font des produits qui sont. On peut aussi faire le parallèle avec ce qu'on a connu avec les économies d'énergie. Aujourd'hui, on fait des bâtiments quasiment à énergie positive, ou en tout cas avec des économies d'énergie. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80 dans ce domaine-là, puisqu'on était un des premiers, quand on a lancé la première opération programmée d'habitable climatique, le plan construction nous avait donné l'autorisation d'avoir 10% de dépassement pour faire des bâtiments bioclimatiques, économant l'énergie. Et en fait, comme ça a remis la conception même des logements, c'était des logements HLM, des PLA, qui étaient faits toujours de la même manière, comme la conception a été remise en cause, directement, les architectes ont refait des nouveaux projets et on a terminé 10% moins cher que les bâtiments précédents qui n'étaient pas économes à l'énergie. En fait, si vous voulez, ils s'étaient mis des pratiques sur place qui avaient créé une économie qui se gonflait mécaniquement toujours, le prix de construction augmentait avec les entreprises qui prenaient leurs habitudes, tout le monde prenait ses habitudes, les concepteurs qui faisaient des photocopies, ils ne faisaient pas à l'époque des copies-collées de plans AutoCAD, mais c'était créé l'habitude qui avait amené un niveau de construction en fait qui n'était pas raisonnable pour des bâtiments qui étaient absolument pas bien construits, pas bien construits, mais absolument pas économes d'énergie. Et le fait de reposer le problème sous un nouvel angle, de voir un nouvel angle d'attaque des choses, a remis le problème de la construction de ces bâtiments au vrai niveau. Et on a tous été surpris de ça, mais voilà. Finalement, l'autorisation de dépassement de construction n'a pas été utilisée. Et ça mène de l'innovation et dans le temps, c'est plus abordable. Est-ce que vous avez, j'imagine oui, mais quelles sont les contraintes, les freins, les oppositions que vous avez rencontrées dans les expériences que vous avez menées, dans les
accompagnement que vous avez fait dans le domaine de la, du plan de cadre? Oui. En fait, il y a eu un shift l'année dernière. Il y a 2 ans, ça a démarré. Et là, maintenant, on est plus dans l'appropriation. C'est-à-dire que le shift, il était avant tout, c'est ce dont parlait Anne tout à l'heure, dans le mental. C'est-à-dire qu'on travaille en silo et on ne peut pas avoir un impact positif. Et nous, de 2007 à quasiment l'année dernière, on était souvent face à des projets où le fait de travailler ensemble, en collaboration, et d'être dans un impact positif ensemble ne passait pas. Il y a eu un shift. Ce shift-là est arrivé, on a fait ce qu'il fallait pour aussi. Et du coup, maintenant, bah, effectivement, on va plus trouver la problématique d'accès aux bons matériaux français si on veut rebooster l'économie française. Donc, on est plus confronté à ce type de problématique. Et puis, un autre point aussi, par exemple, le béton recyclé. Est-ce qu'on va monter les pourcentages de recyclés acceptés dans les projets de béton? Parce que si vous regardez au niveau de l'Europe, tout le monde n'a pas le même pourcentage. Alors, pourquoi certains pays ont 10% de recyclés supplémentaires par rapport à nous? Et est-ce qu'on peut encore aller plus loin? En fait, il y a tout un champ d'innovation maintenant qui est à faire. Et c'est là que se trouverait plutôt, on va dire, c'est l'état de l'art qui nous bloque. Mais c'est un champ d'innovation qui est intéressant et on voit beaucoup d'études se faire sur ce sujet en particulier. Je vous avez une question. Oui, je rebondis sur la réponse que vous avez faite à madame sur les surcoûts éventuels. Ça rien. Bon, je suis, moi, vous m'avez convaincu mentalement que ça allait faire ça. Bon, ça l'idée que ça soit une bonne idée, pour moi, est acquise. Mais comment la mettre en œuvre, c'est la question qu'on se pose tous comme architecte, urbaniste. Si effectivement il faut intégrer un surcoût au départ d'un bâtiment qui soit démontable et réutilisable, pas avant 25 ou 30 ans ou 50 ans, ça veut dire qu'il faut aussi réinterroger le modèle économique même de la façon de concevoir, construire et faire un bâtiment sur des délais aussi longs. Aujourd'hui, il y a deux grands systèmes. Il y a le promoteur qui fait un bâtiment, qui n'aime pas trop les surcoûts, il est dans un marché concurrentiel, sévère. Et une fois qu'il l'a vendu, ça devient une copropriété. On ne voit pas très bien comment ça peut marcher dans le long terme. En revanche, si on est dans le système locatif, privé ou public, là on peut imaginer un système que ça. Donc ça réinterroge, c'est bien au-delà des aspects techniques, tout le fonctionnement finalement de nos métiers. De la société. Alors, c'est là où on est un peu. De la société en sens. Où on est un peu. De la société en général. Où on est un peu. Bah, on peut être un peu sceptique quand même sur la capacité à bouleverser finalement ce qui fonctionne. Vous avez deux visions. Vous êtes sceptique, ou vous y croyez, vous dites, bah, tiens, à partir de demain matin, qu'est-ce que je fais? Je vous parle de ça parce que ça fait déjà la 4e fois que je change absolument de modèle économique pour moi-même, hein, puisque maintenant que mon agence marche bien, je pars sur une start-up et je redémarre tout. Soit vous êtes sceptique, soit vous dites, chouette, il y a de la place pour l'innovation. Et demain matin, je vais commencer à revoir mon projet, alors peut-être pas sur celui sur lequel vous êtes actuellement, parce que j'imagine qu'il y a des grosses contraintes, mais vous dites, bah, pour le prochain, je vais penser différemment. Et c'est cette pensée-là qui vous permet de vous approprier ce type de démarche, aller sur Internet, vous allez trouver plein d'informations. Si vous avez besoin d'aide, bah, vous avez compris, il y a l'EPEA qui sera ravi de vous accompagner dès l'amont sur vos projets, et puis avec cette méthodologie, vous pouvez ensuite vous l'approprier, et ensuite, effectivement, la déployer dans vos projets. On est au démarrage, c'est formidable. Je suis tellement heureuse pour nous que nous soyons en 2018 ensemble à discuter de ce genre de projet. C'est une époque formidable. Tout est possible pour l'innovation. Tout est possible pour l'innovation. Il faut juste démarrer. J'ai une petite question pour l'aspect hyper concurrentiel du marché, notamment du fabricant, les bons études, c'est notamment parce que ce sont des consommables. Ils ont intérêt à se tirer une balle dans le pied parce que l'obsolescence programmée leur donne un rythme de vente supérieur à des produits qui seraient plus durables. Donc, quel est leur intérêt à eux? D'abord, vous n'êtes pas sans remarquer qu'il y a quand même des choses qui sont un peu de moins en moins acceptables par la société. Donc ça fait partie de l'évolution de la société. Et puis, ça a un énorme intérêt. Quand vous vendez un usage à, là en l'occurrence c'est un aéroport, ça veut dire que vous avez un contrat sur le long terme versus vendre de temps en temps 3-4 ampoules, je schématise, c'est un peu plus que ça. Donc c'est vous entretenez une relation avec votre client quand vous allez dans un modèle
un modèle économique, là, de l'économie de fonctionnalité ou d'usage, qui est totalement différent. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait Xerox à un moment quand ils ne savaient plus vendre des machines, il n'y avait plus assez de marché. Vous recréez complètement un modèle économique qui fait que la valeur n'est pas le produit obsolète que vous allez vendre, mais la qualité du service que vous proposez au client. Ah oui. Je vais juste ajouter un petit quelque chose, parce que l'obsolescence programmée, c'est mon sujet de prédilection par rapport à l'économie d'usage. Et on va changer de paradigme, on va partir dans la gastronomie, et on va même plus particulièrement parler du vin. Le vin, il y a le moment pour le boire, et il y a le moment où il ne faut plus le boire parce qu'il n'est plus bon. Et bien figurez-vous que dans le domaine des objets, c'est la même chose. Votre voiture trop vieille qui consomme trop d'énergie et qui pollue, votre frigo trop vieux qui consomme trop d'énergie et qui devrait être changé simplement pour dépenser moins d'énergie. Ben, l'obsolescence programmée, lorsqu'elle est positive dans l'économie d'usage, ça vous permet d'avoir un lien différent avec les industriels pour qu'ils reprennent les objets avant qu'ils ne perdent leur valeur. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'amorcer la pompe. Mais les économies qui sont faites, par exemple, là, calculées par McKinsey, c'est prévu là-dessus. C'est-à-dire que votre objet est bon pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Du coup, le constructeur, lui, le sait. Il vous met la juste quantité de matière pour un juste usage. Et avant qu'il ne perde la valeur, vous le renvoyez chez le constructeur. Alors la vraie difficulté, le vrai challenge, c'est pour tous ces grands industriels de tester tous ces nouveaux modèles économiques où finalement la matière leur appartient, ils vous la louent sous une certaine forme, un micro-ondes, un four, un frigo, une voiture, et vous leur rendez la matière pour qu'ils puissent continuer à exister. Du coup, effectivement, la relation avec le client est éminemment importante puisque c'est le client qui possède la matière dont vous avez besoin pour continuer à produire vos objets. La vraie longueur de vie, la vraie vie, la vraie vrai cycle de vie du produit est aussi très maîtrisée. Et comme le disait ensuite Anne, eh bien, il y a toute une économie de services qui est mise autour et qui devient beaucoup plus intelligente. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arrêter de faire de la compétition sur les ressources de nos enfants et de leurs petits-enfants et des générations à venir. On peut se faire de la compétition sur, ben, c'est ce que vous faites vous hein, en tant qu'archi. Vous faites de la compétition sur des dessins, vous faites de la composition, de la compétition sur ce que notre esprit humain fait de mieux, c'est-à-dire le design. Mais arrêtons de faire de la compétition sur des ressources qui, au départ, ne nous appartiennent même pas. Et sur la santé publique aussi, surtout. Et du coup, la santé publique. Vous avez commencé avec la santé publique. À la fin, on semble oublier que c'est quand même... On a des médecins, il y a un problème de santé publique assez fort. Bien sûr. Est-ce que, par rapport à ça, je veux rebondir, est-ce qu'il y a des études? Bon, il y avait les vieux hostos, il y en a encore des vieux hostos. On a construit des vieux. C'est qu'on ouvrait la fenêtre, je pense que l'air était moins pollué, enfin bref. Ouais, vous dites que dans les locaux à l'heure actuelle, l'air est pollué deux ou trois fois plus qu'à l'extérieur. Ouais, ça pousse études. Alors la question, c'est entre un vieil hosto et un hôpital tout neuf qui a été construit avec des experts. Très pointus. Je les ai fréquentés avec les cabinets d'architectes qui sont des experts en HQE, en écologie, qui ont apporté une valeur formidable en termes de développement durable et aussi en termes de quelque chose qui parle aux directeurs d'hôpitaux. C'est des économies d'énergie, des économies d'exploitation. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'un hôpital neuf avec une belle chambre HQE, est-ce que l'air est moins pollué que dans une chambre d'un hôpital ancien? Puis après, je vous poserai une autre question. Bah, vous ne mesurez pas la toxicité dans un HQE? Il n'y a pas de toxicité. Non, vous ne la mesurez pas. Vous ne voyez pas. Alors, quand vous présentez une diapo en disant que l'air est plus vicié dans un local que l'extérieur, il y a des études. Ah oui, tout est mesuré. Les COV sont connus. Bon, ben, dans les hôpitaux, on peut le mesurer. Bien sûr. Intuitivement, si ça n'a pas été fait, qu'est-ce que vous dites? Non, mais parce qu'intuitivement, il n'y a pas que tout ce qui est à l'intérieur de l'hôpital, ou à l'extérieur de la pièce, la peinture, les choses, etc., tout ça compte. En fait, si vous allez sur l'Observatoire de la qualité intérieure, ils ont fait plein d'études dans des écoles, des maternelles, des choses, etc. Évidemment, il n'y a pas de moyenne. C'est pour ça qu'on met 2 à 5 fois, parce que bon, voire eux, ils disent de temps en temps jusqu'à 7 à 8 fois. On ne peut pas dire intuitivement, là, ce qui va, il faut que ça puisse être mesuré. Il peut y avoir des choses positives ou des choses négatives. En tout cas, la moyenne de ce qu'ils ont étudié, donne ces chiffres.
Du coup, quelle était votre question? Il n'y a pas d'études spécifiques hospitalières? Ah, je sais pas, non. Mais par contre, on connaît les émissions sociales. Parce que l'hôpital est fait pour soigner, vous avez l'air de venir devant les locaux. Finalement, on est en mauvaise santé, donc si je suis en réanimation pendant 15 jours, non seulement je ne suis pas bien, mais en plus là où je suis, ça va encore s'aggraver. Donc, bah, si ça n'a pas été construit, ça va être bien. Donc ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'études. Maintenant, autre question. Non, vous avez pas retenu ce que nous avons dit. Sur les hôpitaux, mais bien sûr. Regardez, c'est un bâtiment en général. Les bâtiments. Les bâtiments hospitaliers sont un peu spécifiques. En tout cas, à Grande-Synthe, Damien Carême est en train de faire construire actuellement le premier centre de santé dans la démarche Cradle to Cradle. Oui, mais est-ce que le Cradle to Cradle, comme vous dites, apporte une valeur ajoutée en termes de santé par rapport à une démarche qui HQ, on mesure la toxicité, qui est quand même de répondre à des normes qui sont HQ, c'est seulement énergie. Ça n'a rien à voir, en fait. Énergie, non, c'est haute qualité environnementale, mais si en plus vous assemblez des produits qui sont bons pour la santé et qui sont désassemblables, bah, vous continuez à ajouter de la valeur à votre bâtiment qui est déjà HQ. Peut-être par rapport à ça, votre public cible, c'est quand même beaucoup plus les industriels. Parce que le raisonnement, s'il est microéconomique, quel est l'intérêt pour un directeur d'hôpital de vous demander une expertise pour rajouter une couche à la couche HQE dans l'aspect cradle ou cradle? C'est dans la conception. Parce que si vous voulez, le bénéfice de l'économie sur les matières premières, c'est une vision macroéconomique, macropolitique. Nous, on raisonne en termes un endroit, un territoire, un projet. Et là, pour les décideurs, je comprends bien que pour un maire, l'économie circulaire a plus de sens que pour un directeur d'hôpital. Mais quel est l'argument pour qu'un directeur d'hôpital fasse appel à vos services au niveau de la conception d'un hôpital? La santé de ses occupants, et en l'occurrence... Mais comment vous ne la pouvez mesurer pas, la santé des occupants? On parle de la toxicité, monsieur. La toxicité, mais quel matériau, par rapport à une démarche qui se fait sans vous, est-ce que les matériaux ne sont pas les mêmes? On fera appel à plaque de plâtre, on fera appel à des chemins électriques. Alors, c'est des bons exemples, là, les plaques de plâtre. Comment vous faites la différence par rapport à une conception avec les matériaux actuels? Je suis en train de vous donner une réponse, monsieur, qui est dès la conception, on choisit les impacts positifs que l'on souhaite avoir. En l'occurrence, si vous choisissez l'impact positif sur les occupants, oui, on va vous aider à assembler. Comment concrètement? Ben, je choisis un des bons matériaux. Hein, les matériaux, ils sont sur le marché industriel, ils sont. Oui, ben, vous allez sur le site internet de C2C Certified. Donc là, c'est à partir des notices sur les matériaux, voilà, vous allez dire le placopate de Saint-Gobain est supérieur à ce que... Parce qu'il y a la belle, il y a des produits... Mais ça, les architectes le savent, ça, les ingénieurs le savent, les spécialistes... C'est magnifique. Non. Mais vous mangez des produits tous les jours, vous avez le choix de manger des produits bio ou des produits non bio. Tout le monde sait qu'il y a des produits non bio qui ont des pesticides et pourtant il y a des gens qui le mangent. C'est-à-dire, l'intention que l'on met et le souhait que l'on veut pour soi et pour ce que l'on fait, ça appartient à chacun. D'accord. Voilà. Vous êtes sur le choix des matériaux. À un instant donné, sur l'éco-conception, compte tenu de l'état de la production actuelle. Non, il faut désassembler. C'est la construction d'un produit, d'un bâtiment qui est prévu pour être désassemblé. Alors ça, c'est... Oui. Alors ça, c'est quand même plus compliqué à l'hôpital que dans un bâtiment de... C'est quoi la durée de vie des hôpitaux maintenant? Si vous prenez les hôtels-lieux, c'est 400, 500, 600 ans. Hein. Oui. Les assemblées. Bah, sont, disons, 30 à 50 ans. C'est ça, exactement, 30 à 50 ans. Il y a des questions, vous, là. Pour être hyper concerné par le HQE au quotidien, je peux apporter un élément de réponse. La démarche HQE, donc, c'est une démarche qui porte sur beaucoup de thèmes. Donc, en gros, la qualité de l'air. Donc, avoir un bâtiment HQE, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être performant en qualité de l'air. Ça dépend de ce que le maître d'ouvrage a choisi comme profil. Et s'il veut axer son bâtiment là-dessus, alors il pourra avoir un bâtiment qui est performant en qualité de l'air. Nous, aujourd'hui, il y a environnement ce qu'on apporte comme une réponse pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage, c'est que pour nous, l'environnement, c'est le bien-être et la santé à court, à long terme. Aujourd'hui, pour moi, la démarche Cradle to Cradle, elle est à long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir l'impact dans l'hôpital de la démarche Cradle to Cradle. Par contre, toutes les économies de ressources qui vont être faites, toutes les démarches qui vont être prises pour éviter les polluants qui vont être du tout dans les bâtiments, dans les matériaux réutilisés, c'est quelque chose qui est au service de la santé de demain. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut envisager la démarche Cradle to Cradle. Sauf si vous imaginez... Démontable, enfin,
bâtiment démontable. Ah, sauf si vous imaginez que la santé des personnes qui vivent à l'intérieur d'un bâtiment, c'est du long terme versus du court terme. Et les coûts de maintenance, quand même, dans vos bâtiments. Parce que si vous avez conçu dès le départ pour désassembler, je peux vous dire qu'en coût de maintenance, vous avez une vraie différence. Oui, oui, et c'est là que ça se joue. En fait, la démarche... Pardon. Qu'est-ce que vous dites? Sinon, j'avais une question, moi. J'ai pas compris ce que vous avez dit, Anna. J'ai dit qu'elle était la première. Ah, je vais dans votre sens. Oui, tout à fait, exactement. C'est, mais il n'y a rien de antinomique, c'est juste parfait. Mais du coup, j'avais une question. Nous, dans notre métier, on aborde l'économie circulaire, surtout... par l'aspect déconstruction, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on voit l'impact le plus important, c'est quand on démolit avant de faire un bâtiment, quand on le cure. Alors, il y a beaucoup de plateformes qui se lancent, qui sont en 2016 et qui se lancent en 2017-2018, pour mettre en relation les gens qui chargent des matériaux avec des gens qui proposent des matériaux. Il y a un vivier énorme avec tous les bâtiments qui sont curés et déconstruits aujourd'hui. Par contre, on n'a pas forcément de débouchés, et je veux savoir si vous travaillez sur les débouchés, et si notamment, à travers la démarche Travel, vous valorisiez le fait que l'objet ou le bâtiment est démontable, mais qu'en plus, les éléments démontés ont une deuxième vie qui les attend, qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de ça comme ressource, comme matière première pour construire un nouvel objet. Voilà. Je voulais savoir si c'était valorisé dans la démarche ou si c'était juste le fait qu'il était démontable et non démontable. Est-ce que tu peux donner l'exemple qu'on a eu dernièrement avec les, je ne sais plus combien, 250 chambres qu'on a essayé de... Oui, alors oui, en fait... Lève-toi. J'ai un ancien collègue qui travaille dans une grosse entreprise de bâtiment, étage pour ne pas trop hésiter. Ils ont eu à travailler sur la réhabilitation d'une cité universitaire, un bâtiment étudiant, qui leur a été livré par le maître d'ouvrage tel quel, avec donc, tous les meubles. Et donc il y avait 1500 meubles, donc des lits, des armoires et des bureaux, des matelas, qui étaient voués à la benne, puisque finalement le maître d'ouvrage n'était pas son problème. Lui, il voulait un bâtiment neuf, il l'a récupéré avec des mobiliers neufs. Il donnait le bâtiment plein à son... sauveteur, et il n'y avait aucune démarche. Lui, ça lui coûtait plus d'argent finalement de faire chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire de ses meubles plutôt que de les mettre à la benne. Et donc, mon ancien collègue, qui était sensible à l'environnement et qui savait que j'avais été aussi, m'a contacté pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ses meubles. Donc, on a retourné tout notre réseau, notamment on a envoyé un mail nettoyeur pour savoir s'il connaissait des associations qui pourraient être intéressées par ses meubles. Et on a fini par trouver des associations de veilleurs sociaux, des associations pour l'hébergement d'urgence. Et on a regardé tous les meubles. Mais aujourd'hui, on a vraiment bloqué pour au niveau du réseau et au niveau des débouchés, parce qu'il n'y a pas de mise en relation des gens qui pourraient chercher, qui pourraient être intéressés par des matériaux de récup, on va dire, qui du coup n'ont pas de garantie, n'ont pas d'assurance, et les gens qui ont ces ressources. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a un gros point, un gros travail à faire sur les débouchés. Parce que les ressources sont là, on a des bâtiments démolis et curés tous les jours, partout. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qui est intéressé par ça? Comment garantir à la personne qui va l'utiliser qu'il a une assurance pour la réutilisation de ce matériau qui est un échec? Est-ce que vous travaillez sur ce côté-là, réutilisation, enfin, le côté que devient ce qui est démonté ou réutilisé, etc. C'est le cœur de la préoccupation de Psycléa, en tout cas, ce que vous décrire. On rajoute un troisième pôle qui est le pôle des transformateurs. C'est-à-dire que si vous ne savez pas que votre moquette peut devenir un collant, vous avez manqué pas mal de valorisation lorsque vous avez curé votre bâtiment. Donc toute l'idée de Psycléa, c'est justement de mettre en relation les propriétaires de gisements avec ceux qui recherchent des nouvelles ressources, et évidemment les transformateurs qui peuvent transformer les moquettes en collants. Je fais exprès de donner ça comme exemple. Et c'est ce qui permet effectivement de multiplier le nombre de possibilités. Et actuellement, on est en développement d'intelligence artificielle pour pouvoir aller chercher les plus grosses bases de données possibles pour ouvrir des marchés. Et on va lancer mi-février une grosse campagne autour de la création des débouchés, c'est-à-dire comment est-ce qu'un grand nombre de besoins en matière recyclée pourront venir dans notre bibliothèque Psycléa pour pouvoir ouvrir le marché des personnes telles que vous qui seraient en recherche de déboucher, parce que c'est notre focus principal. Mais surtout, n'oublions pas non plus les transformateurs avec leur technicité et la capacité à transformer une matière A en matière B. Et tout notre savoir-faire, tout notre secret de sauce, comme on dit dans le monde des startups, c'est justement cette connaissance de la matière, de la chimie des matériaux.
et les milliers de références qu'on a, en sachant qu'un objet A peut devenir un objet B. Après, vous pouvez rajouter des histoires de choix du type, est-ce que je veux que ce soit au plus proche, est-ce que je veux surtout garder la matière même si elle va plus loin, est-ce que je veux d'abord privilégier le coût. Ensuite, chacun des utilisateurs de la plateforme, en s'y abonnant, pourra choisir sa propre, son propre type de valorisation qu'il souhaitera faire avec ses propres impacts. Donc, là aussi, encore beaucoup d'innovations à venir et beaucoup de travail sur l'année 2018. Je veux juste réagir. Enfin, moi, je pense que vous avez parlé de construction en construction. Il y a quand même les tri sur les chantiers qui existent aujourd'hui. Donc il y a déjà cette démarche, j'espère, donc, qui est déployée sur la plupart des chantiers et qui permet de recycler, en fait, donc de trier donc, les bons matériaux dans les bonnes bennes, en fait, et de produire après, donc de réutiliser donc, ces matières premières. Super, donc, c'est quelque chose qui existe déjà, en fait, et déployé, j'espère, donc, sur la plupart de nos chantiers. Mais on a besoin de plus, en fait, pour pouvoir agrandir des flux circulaires plus larges. Donc là, effectivement, on est sur beaucoup de plateformes, il y en a à peu près une petite quinzaine, où effectivement, on va savoir qui a quoi, c'est une sorte de bon coin professionnel, ça, il y en a beaucoup. Mais nous, notre ambition était de faire quelque chose de plus large pour vraiment faire des flux de matière. Et qui inclut les plateformes dont vous parlez, parce que c'est des vrais transformateurs de matière également sur les chantiers. Et pour rebondir sur ce que vous dites, là, du coup, les bennes, les serpentriers, les déchets chantiers vont forcément amener à du recyclage. Et pas du réemploi ou de la réutilisation de l'objet. Ça dépend ce qu'était la matière au départ. Si elle n'a pas été conçue pour ça au départ, il y aura moins de débouchés que si elle a été prévue pour cela au départ. Ça devient différenciant, s'intéresser au bâtiment pour être désassemblé. Et croyez-moi, vous me dites que c'est du, collectivement, c'est du long terme. La différenciation qu'un maître d'ouvrage recherche, c'est de s'assurer que son bâtiment à lui sera désassemblable dans le futur et qu'il ne fera jamais des déchets. Et c'est un vrai point d'angle en termes de marketing pour ce type d'ouvrage. Là encore, je partage juste mon expérience. On le voit vraiment. Et il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui parce qu'on était en lien avec les assureurs. Les assureurs sont le propre frein aujourd'hui, les premiers freins à la réutilisation, au réemploi de certaines matières. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a un problème d'assurance. Donc ils sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir arriver à ce que, justement, aussi avec, par exemple, on réfléchit avec eux des plateformes où on sait quelles sont les matières qui sont mises, par exemple, dans un bâtiment, pour pouvoir savoir si on peut la réassurer dans une deuxième vie ou pas. Donc vous parliez tout à l'heure en disant ça va changer beaucoup de choses. Oui, ça va changer beaucoup de choses, beaucoup de métiers. Beaucoup de... Quand l'autopartage est arrivé, ça ne fonctionnait pas uniquement parce que les assurances ne pouvaient pas assurer le système d'autopartage. Ils se sont mis autour de la table tous ensemble pour dire comment on fait pour lever les freins qu'on a. Je ne dis pas que c'est tous les assureurs surtout, mais c'est pour dire qu'au fur et à mesure où la conscience évolue, là où sont les blocages, et il y en a à plein d'endroits, à un moment, quand ça devient un vrai sujet, les gens se mettent autour de la table pour dire comment on peut passer à l'étape d'après. C'est l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que les mettre en mode de coopération et de se dire, si un assureur tout seul se dit, moi je vais assurer mes poutres pour une prochaine vie tout seul, ça n'a pas marché. S'ils travaillent avec les transformateurs, les prochains usages, etc., alors peut-être que du coup, on peut avoir une capacité de changer. Mais les premiers changements, c'est le fait de dire « c'est pas possible ». Ça, c'est le plus gros changement. Enfin, c'est le plus gros frein qu'on a aujourd'hui, de façon réelle parfois. Comment on va au-delà de ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge partout, de tous les métiers doivent bouger, en fait. C'est très, très intéressant. Système de financement. Juste une question juridique ou comment convaincre un maître d'ouvrage de dire qu'en fin de vie de votre bâtiment, en fait, il faut le démonter. Ce n'est pas démonter. Je pense que démonter un bâtiment, ça a un coût. Et démolir, ça a un autre coût. Et donc, comment on arrive et comment on le convainc que ça. Moi, je suis convaincu de tout ça, mais comment convaincre quelqu'un à la fin de vie de son bâtiment de dire tu dois mettre un peu d'argent parce qu'il faut démonter ça et que ça passe dans une économie circulaire, tous les produits qu'on a mis dans ce bâtiment. Vous partez du principe que de toute manière, c'est forcément plus cher. Oui, mais... Donc ça, c'est votre postulat de base.
Mais après, c'est parce que l'objectif, c'est... moi je suis un architecte, nous on répond à une demande d'un maître d'ouvrage. Si lui, dès le départ, il n'est pas cette prolongée, nous, des fois, on a un peu de flocage, mais s'il n'est pas cette prolongée-là, on est forcément possible cette prolongée. On est déjà dans une époque formidable, comme je le disais tout à l'heure, puisque 2020 et 2025 sont des dates qu'il faut bien connaître en termes de mise en décharge des déchets des bâtiments, et avec tout simplement l'interdiction à un moment donné de la mise en décharge. Donc de toute façon, ça sera très simple. Le maître d'ouvrage, il est très conscient de ça. Il n'aura pas le choix. Donc autant démarrer tout de suite et être vu comme un pionnier plutôt que d'attendre une fois que ça devient obligatoire. Donc il faut convaincre les législateurs aussi. Ah, mais c'est déjà fait. C'est déjà convaincu. C'est déjà la loi est votée. La loi est votée. La loi est votée. Ouais. La loi est votée depuis 2015. Oui, mais enfin, la loi Royale de ne pas mettre en décharge, elle a été votée aussi il y a longtemps et puis elle n'est pas appliquée. Ah, mais est-ce qu'elle va l'être ? Ça devrait être appliquée. Je veux dire que on travaille sur l'accompagnement des plans de prévention des déchets de la région Île-de-France en ce moment. Croyez-moi, ils savent qu'il y a 1 million de tonnes par an qui doit plus être enfoui, parce que la loi n'autorisera plus. Donc, je veux dire que ça travaille dans tous les sens pour savoir comment on va pouvoir faire pour ne plus enfouir. C'est juste une réalité. Et juste pas tout brûler. Parce que heureusement, les projets d'incinérateurs ne sont pas totalement complètement acceptés par les populations et autres. Donc du coup, il faut trouver d'autres solutions. Non, mais c'est... Il y a un moment, il y a... Ça va aider. Vous avez une question peut-être ? Oui, non, un commentaire. Moi, je représente Pierre. Donc on a un maître d'ouvrage et notre ouvrage qui est urgent de conviction, c'est pour ça qu'on a créé avec le groupe Aegis la tombe 5 heures. Mm-hmm. On doit rencontrer avec Cécile. Il y a quelques bonnes nouvelles dans la création de 5 heures. C'est le témoin de la conviction d'un maître d'ouvrage de notion du cadre du groupe Aegis des investisseurs sur ces questions, avec le soutien de la Caisse des dépôts, qui part, le soutien des assurances. Nous aurons des offres d'assurance de matériaux de réemploi dans les chantiers. Donc maintenant, je prends au mot AYA d'intégrer dans ces constructions des dispositions de réemploi. Nous aurons des offres, des prescriptions d'avocats qui nous permettront d'intégrer ça. Sujet. Il y aura des offres d'assurance également qui sont faites. D'autres bonnes nouvelles qui est microéconomie de l'ordre de 20 à 30% d'économie par rapport à l'achat à neuf de matériaux, y compris en faisant appel à des sociétés d'insertion locales ou microlocales. On développe, il y aura des investissements lourds effectivement sur l'économie circulaire et l'atelier locaux d'économie circulaire, permettant une microéconomie, et donc de valider ça. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles que vous annoncez, qui sont prolongées dans une solution extrêmement concrète, dans laquelle, ouverte à tous, c'est que et cette solution, appelle des maîtres d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre, qu'on souhaite associer l'ensemble des maîtrises d'œuvre, d'architectes. Évidemment, il y a de l'économie d'énergie grise, mais c'est surtout de la matière grise qu'il faut mettre en œuvre. On a besoin d'architectes pour répondre présent à effectivement ce momentum d'architecture et de renouveau d'architecture vers une économie bas carbone qui nous investisseurs, doit rendre compte, on doit avoir ces objectifs-là bas carbone. Et c'est essentiel pour nous de pouvoir collaborer ensemble sur des solutions qui soient très opérantes pour vous et très concrètes. Parfait. Merci.